Le réseau anticorruption Togo a examiné avec les professionnels des médias ce mercredi à Lomé la situation des infrastructures au Togo. Dans cet exercice, il a été révélé que depuis 2011, le budget de l'État couvrait majoritairement la réalisation des infrastructures routières du Togo. Le gouvernement a fait de la construction des infrastructures une priorité. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, le budget de l'État est absorbé en grande partie par la construction des infrastructures. Et c'est le lieu pour nous, en tant qu'organisation, réseau citoyen, d'inviter l'ensemble des acteurs à plus de sérieux dans la réalisation de ces infrastructures, parce que ça coûte extrêmement cher. Ces infrastructures sont réalisées à coût de milliards. Et le RAC Togo va travailler aux côtés du gouvernement pour s'assurer que l'ensemble de ces travaux-là soit bien réalisé à travers des actions de suivi sur le terrain, à travers des investigations. Le réseau anticorruption Togo a été mis en place le 6 juillet 2015. Il regroupe une quarantaine d'organisations non gouvernementales, des syndicats professionnels, des travailleurs et des médias privés.